C'est un grand soir. Un soir d'avant-première dans l'un des cinémas d'Helsinki. Il y a encore quelques mois, Johanna Nordblad ne se serait jamais imaginée là. Enfin, pas ici au premier rang, mais en face dans l'écran. Elle est l'un des quatre personnages d'un long documentaire sur les éléments de la nature. Et elle représente l'eau. Le public lui découvre le monde de Johanna, une apnéiste de l'extrême qui plonge sous la glace. Johanna n'est pas actrice, pas forcément habituée à ce genre d'applaudissements, à ce genre d'événements. Un à un, tous les invités viendront saluer la star du soir, et sur le coup, ça lui plaît. C'est sympa, en plus la plupart des invités sont des amis, je les connais bien. Mais vous préférez être dans ce genre de lieu ou sous la glace ? Si je pouvais, je resterais tout le temps dans l'eau. Pour mieux comprendre tout ça, il faut aller chez elle, ou plutôt dans son garage. Et Johanna est une touche à tout. Entre les motos et les kayaks, il y a un petit détail qui attire notre attention au fond. Des béquilles en guise de porte-manteau. Elles sont pratiques, hein. Je les ai vraiment utilisées, vous savez. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais les garder, on sait jamais. Johanna les a vraiment utilisées pendant plusieurs mois. C'était il y a presque 7 ans, le moment où sa vie et sa carrière ont basculé. À l'époque, elle est déjà une apnéiste reconnue dans le monde entier. En pleine préparation avant une compétition, elle est victime d'une chute en VTT. Ça, c'était le jour d'avant. Et ça, juste après. Je sentais que c'était vraiment grave, mais alors quand ils ont ouvert le bandage, là j'ai fait « wow », c'était pire que prévu. Sa jambe gauche est en très mauvais état. On parle même d'amputation. Johanna va passer de longues semaines à l'hôpital. Sa jambe sera sauvée, mais la douleur est insupportable, jusqu'au jour où un médecin lui parle de thérapie par l'eau glacée pour chasser la douleur. Les premiers mois, je devais vraiment me forcer à mettre ma jambe dans l'eau glacée. C'est très... En fait, au début, je pleurais. J'étais là et je me disais, mais c'est pas possible de vivre ça. Et en fait, tout est parti de là. Peu à peu, j'ai commencé à aimer ça. Je me disais, et si je plongeais complètement dans l'eau glacée? Et c'est devenu addictif. Quand tu ressors de l'eau, la sensation est indéfinissable. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Elle ne résiste plus à l'appel du froid, au point de tenter un record unique au monde il y a 2 ans. Sur un lac gelé, dans une eau à 2 degrés et en simple maillot de bain, la Finlandaise va nager plus de 50 mètres sous la glace. Sans palme, sans combinaison. Ils ne sont aujourd'hui que 3 dans le monde à réaliser ce genre d'exploit. Ce jour-là, elle est tellement bien qu'elle dépasse même le trou de sortie placé à 50 mètres avant d'être rappelée par les plongeurs. Record du monde féminin à la clé, Johanna se fait connaître et un réalisateur décide alors de faire un court-métrage sur elle. Les images vont faire le tour du monde et on comprend pourquoi. There is no place for fear. No place for panic. No place for mistakes. You can find a different world. A world so peaceful, so beautiful, endless and desolate. Ce petit film ne fait que 3 minutes seulement, mais il est devenu viral sur Internet. Il dépasse désormais les 10 millions de vues et surtout il donne des idées aux apnéistes du monde entier. With one breath, I'm part of it. Et Johanna nous emmène sur le lieu de son record, un lac situé au nord d'Helsinki,
elle doit participer à ce qu'on appelle ici l'événement. Un rassemblement de plongeurs sous glace, et elle y va en toute décontraction. Je suis comme ça naturellement, je suis une vieille apnéiste, moi. Même quand je vais à une compétition, je ne stresse jamais. Et là en plus, c'est pour le fun. Direction Lemon Kharki, il y en a pour 2 heures. Là-bas, les organisateurs sont déjà en plein boulot. Il faut d'abord découper les trous et au mois de mars, la glace fait encore 40 cm. Voilà, c'est terminé. Johanna et les autres vont donc plonger là, le lendemain. Au petit matin, c'est l'heure du briefing. Johanna est là, et visiblement, ses exploits ont eu un impact. Cette année, ils sont une quarantaine dans la salle, c'est 2 fois plus que l'an passé. Ils viennent d'Afrique du Sud, d'Australie ou d'Estonie, et au fond, il y a même un petit groupe de Français. Karen Sohi, did I say that correct? Ils sont dans le premier groupe de passage, celui du matin. Et une fois au bord du trou, il y a un peu de pression. Ah, tu peux y aller, Mathieu. Voilà. 25 mètres entre chaque trou. En temps normal, une formalité pour eux, sauf que là, il y a un plafond au-dessus de la tête. Dans l'eau glacée, les capacités respiratoires diminuent. Le sang quitte plus rapidement les membres. On a donc moins de force dans les bras et les jambes. Mais visiblement, ça vaut le coup. Yeah. Ouh. Ça roule ? Ouais, c'est qu'il y a de l'eau dans le masque. Ah. Ouais. C'est des sensations complètement différentes au niveau de la respiration, au niveau de la compression là, au niveau de la poitrine. Mais Alex, c'est super. T'es au milieu de nulle part. Tu sais pas quand tu vas sortir, t'as hâte de voir le trou de... De sortie quand même pour respirer. Et quand on voit une personne comme Johanna qui fait ça en maillot de bain, Je la considère comme une extraterrestre. Mais un grand respect. Johanna, elle ne plonge que dans l'après-midi. Et en attendant, elle s'offre une séance photo un peu spéciale, en petite tenue. Cela se passe sous la glace, dans une eau à 1 degré. Et ça donne ça. Certains disent que vous êtes une extraterrestre. C'est peut-être ça. Ils ont peut-être raison. Mais vous savez, c'est peut-être une autre planète ici. Si vous comparez ce lieu avec la ville, par exemple, eh bien ici, c'est un autre monde. Et alors, vous venez d'où, vous ? De quelle planète ? Moi, je viens de la nature. L'après-midi, en combinaison pour une fois. Et Johanna va plonger. Mais avant, elle vérifie les environs. On ne sait jamais. En même temps, il n'y a pas foule en dessous. Elle est même plutôt seule. Unique au monde. Elle dit que parfois la glace chante. Et dans ces cas-là, elle en profite. Avec Johanna, on peut donc prendre son temps en apnée. Elle est vraiment devenue une icône. Johanna n'a jamais fait ça pour la gloire, l'argent ou la compétition. Simplement parce qu'elle aime ça. Elle a une relation avec l'eau qui est unique et son moyen à elle de le montrer, c'est de plonger depuis 6 ans sous la glace, dans des lacs gelés. L'année prochaine, elle reviendra ici pour tenter de battre son propre record du monde. En attendant, Johanna est repartie chez elle, sur son île, près d'Helsinki. La neige a déjà fondu, et pour la glace, ce n'est plus qu'une question de jours. La fin d'une saison, celle de la nature et celle de la princesse des glaces.